Nous allons passer aux événements d'équipe. Comment ça marche? Pour rappel, la dernière fois que nous nous sommes penchés sur les épreuves par équipe, voici une introduction générale de très haut niveau sur la manière dont elles diffèrent des épreuves en simple. Les équipes s'affrontent et chaque match est noté selon un système différentiel de 20 à 0, accordant plus de points aux vainqueurs et moins aux perdants en fonction de la marge de victoire, pour un total de 20. Un match serré peut donner 11 points aux gagnants et 9 points aux perdants, tandis qu'une défaite complète donnera le score tant convoité de 20-0 aux gagnants. Dans chaque match par équipe, les joueurs sont jumelés dans un processus d'appariement où chaque équipe dispose de quelques moyens pour essayer de manœuvrer les listes dans les appariements favorables, car il y a souvent différents niveaux de densité sur les différentes tables. Les détails du processus d'appariement du WTC sur lequel de nombreux événements se basent peuvent être trouvés ici. Cela suppose des équipes de 8 joueurs, mais le processus est itératif et peut donc être réduit à de plus petits nombres. Les deux événements d'aujourd'hui ont utilisé des équipes de 4 joueurs. Dans chaque match, l'équipe gagnante est celle qui obtient le score total le plus élevé sur l'ensemble des parties jouées. Donc ce n'est pas parce que vous perdez que votre équipe ne peut pas être victorieuse. Chaque équipe ne peut utiliser chaque codex qu'une seule fois, donc pas question de se présenter avec 4 exemplaires de la même liste. Si jamais vous cherchez les liens, mais écoutez, de toute manière vous retrouverez forcément en description de cette vidéo le lien vers l'article de Gunhammer, donc vous pourrez directement aller cliquer ici, puis trouver le système de pairing qui doit se trouver voilà ici. Cela tend à vouloir dire, gagner gros est important. Donc vous verrez souvent des listes qui ne pensent qu'à écraser l'adversaire sur la table, en sacrifiant souvent une partie de la flexibilité que vous verrez dans les listes de solo pour y parvenir. A l'inverse, il est également très important de se battre jusqu'à la défaite. Vous verrez souvent des listes dites de défenseurs, conçues pour avoir un plan fiable pour marquer au moins décemment dans la plupart des parties, peu importe que vous gagnez ou que vous perdez. Apporter des armées qui sont conçues pour contrer des appariements clés ou qui dépendent de certains styles de terrain, être puissant. En particulier les listes qui sont fortes en elles-mêmes, et qui excellent aussi à faire une chose vraiment bien, ou à ne pas vendre certains types de positions, finissent souvent par être très bonnes en équipe, car ils écraseront certains match-ups et auront encore une chance de se battre dans d'autres. Cela signifie également que les listes qui sont très fortes, mais qui ont quelques appariements terribles, peuvent avoir plus de jeux dans les équipes, surtout dans les événements de grande taille, car il est plus facile pour elles de les éviter. Voilà le fait de déformer la composition d'une équipe pour inclure beaucoup de listes qui partagent des caractéristiques communes, par exemple une équipe entière de listes à forte concentration de véhicules, peut être un atout si cela a le potentiel d'écraser les pions adverses. Les dernières fois que nous avons couvert des équipes, nous étions dans les affres d'un pic de puissance, et bien que nous ayons vu certains de ces principes en action, beaucoup d'équipes se contentaient d'entasser le plus grand nombre possible de factions de haut niveau et essayer de gagner en efficacité. Néphilim a-t-il changé cela? Nous allons le découvrir. Donc le premier événement par équipe, c'est l'American Team Championship. Cet événement s'est déroulé avec des équipes de 5 joueurs en utilisant à peu près le processus standard d'appariement du WTC à ce nombre, avec la liste restante de chaque côté après 2 tours de sélection attaquant-défenseur. Chaque match avait 2 tables de terrain lourd et 3 tables de terrain moyen, utilisées du terrain placé par le joueur à l'intérieur, ce qui, je pense, rend les constructions de défenseurs reposant sur du terrain lourd légèrement plus puissantes que la normale. Cela favorise également les listes d'infanterie de mêlée comme les Blood Angels et les Bloody Rose, car il est facile de créer un très bon plateau pour elles si vous êtes sur une table lourde. Donc passons au classement de l'American Team Championship. Donc première place, nous avons Art of War. Art of War avec Nick Nanavati en Drukhari, Richard Ziegler en Necron, John Lennon en Adepta Sororita, Brad Chester en Azuriani et Jack Harpster en Blood Angel. Alors côté donc Art of War avec la liste, donc les listes va y en avoir beaucoup, donc je vais pas forcément aller dans les détails, je vais vraiment essayer de surfer tout en vous donnant toutes les informations intéressantes. Alors Nick Nanavati, donc on a une patrouille qui joue un couvent custom, donc Enhanced Sensory Organ et Master Torturers. En QG, nous avons une succube en Ipex, Witch Cult, on a Quicksilver Fighter, le Triptych Whip, elle est seigneur de guerre, et le Show Stealer. Donc on a le Triptych Whip en relique. Ensuite, en troupe, on a 3, 4, 5, donc on a 1, 2, 3 unités de 5 Wrack avec double Liquifurgen. En élite, on a 2 unités de 5 incubes. En transport, on a 1 Raider avec le désintégrateur canon et le trophée. On a une deuxième patrouille avec le même couvent. En QG, on retrouve Drazar, mais sans son trait. Ensuite, on a 1, 2, 3 encore, 3 fois 5, 3 unités de 5 Wrack avec double Liquifurgen again. En élite, on a une troisième unité d'un cube. En soutien, on a 2 Tantalus. Dans la dernière patrouille, donc on a toujours le même couvent, on a donc un Archonte.
avec le trait Hatred Eternal, donc pour la full reroll touche Bless, on a le Xblade, l'Overlord, la Jean Blade et le Splinterer Genius. En troupe, on retrouve, bah, comme d'habitude, les 3x5 Drake avec 2 Lickifurgen. En soutien, on a un 3ème Tantalus. Du côté de la liste de Richard Ziegler en écran, donc on est... Est-ce qu'on est sur un éternel expansionniste? Oui, on a l'éternel Conqueror et le Redland expansionniste. Classique. Donc on a un détachement Vanguard avec un Chronomancer et son voile des ténèbres. On a un Ktan, donc le Deceiver, pour sa capacité de redéploiement qui est très intéressante. En pouvoir de Ktan, on a le Transdimensional Thunderbolt. On retrouve 2 Plasmacites, 2 unités de 5 Scorpec. En volant, on a 2 Doomsize. Ensuite, on a le détachement Supreme Command avec le Silent King. Et on finit sur un détachement Outrider avec un Technomancer tout nu. Un deuxième Ktan, donc le Dragon du Vide, le Void Dragon, avec en pouvoir Ktan Sky of Falling Stars. En attaque rapide, nous avons 3 unités de Canoptech Scarab Swarm et une seule unité de Tombblade, de 3 Tombblade en particule Beamer. Du côté de John Lennon, donc en Adepta Sororitas, et joue Bloody Rose. Au niveau du détachement, nous avons un bataillon. En Ocelot, nous avons une Sœur Repentia supérieure. En QG, on a une canonesse avec le Chapelet of Sacrifice en relique. En trait de seigneur de guerre, on a la Beacon of Faith et en amélioration, le World of the Emperor. On a Morvenval en seigneur de guerre avec son trait de guerre Full Reroll Touch Bless. En troupe, nous retrouvons 2 unités de Sœur de Bataille toutes nues et une unité de Noviciate. Cette fois-ci, il les a laissés en autogun. Il n'a pas du tout mis les armes de mêlée. En élite, on a une Dogmata avec le Chorus of Spiritual Fortitude et le Verse of Holy Pity, ainsi que sa relique habituelle, le Sigil Ecclesiasticus. On a une Hospitalière toute nue. Ensuite, on a 1, 2, 3 unités de Sœur Repentia, donc 2 de 8 et 1 de 5. En attaque rapide, nous retrouvons une unité de 5 Séraphines, avec donc 2 Séraphines en double Minstorum Enflammeur. Ensuite, dans les autres choix d'attaque rapide, on a une unité de 9 Zephyrim avec le Penon et une unité de 6 Zephyrim avec le Penon. Donc on peut s'attendre potentiellement à un Néphilim Data. En soutien, on a un Castigator. Ensuite, on retrouve 2 unités de Retributor. On retrouve dans les 2 unités le Simulacrum Imperialis et le double Chérubin. On retrouve donc 4 Multimelta. Mais une seule des 2 unités possède un lance-flamme. De pistolet lance-flamme, là, le Ministerum Enflammeur sur la supérieure, et on a quelques sœurs rétributeurs donc toutes nues en ball gun pour fournir des points de vie tampons. Enfin, en transport assigné, nous retrouvons un Rhino, tout simplement. Ensuite, passons à la liste de Bradchester en Azuriani, donc qui joue une liste Hail of Doom. Donc en Ocelot, nous retrouvons un Warlock avec le Quicken Restrain, enfin 2 Warlocks, pardon. Ensuite, en QG, on a 2 Farseer. Un premier Farseer avec Fateful Divergence et Guide en Seigneur de Guerre. L'autre Farseer est Skyrunner avec Doom, Will of Azurian et la Singing Spear. En troupe, nous retrouvons 3x5 Ranger avec aucune amélioration. En élite, nous retrouvons 3x10 Dire Avenger. 2x5 Calling Banshee, donc la première avec le Piercing Strike, donc le plus d'un dégât, et l'autre avec le Nerf Shredding Shrike pour coller des mortels, il me semble, à la charge de mémoire. Et on retrouve une petite unité de 5 scorpions avec le Crushing Blow et la Beating Blade. En attaque rapide, nous avons donc 3 unités de Windrider, 2 de 5 en canon shuriken et 1 de 4 en catapulte token. Ensuite, on a un détachement d'Outrider avec en QG Barot et Karandras. En attaque rapide, nous avons 3x1 Viper en canon shuriken. Enfin, nous allons pouvoir voir la liste Blood Angel de Jack Hopster. Donc, il joue un bataillon, il joue en agent de l'Imperium, donc Coteaz, un inquisiteur. Donc ça, c'est un inquisiteur que j'aime beaucoup. Lorsque vous devez prendre un inquisiteur, c'est celui que je favorise en général, ne serait-ce que pour sa capacité, en fait, à pouvoir obliger l'adversaire, à un moment donné, une fois par bataille, à obliger l'adversaire, lorsqu'il utilise un stratagème, de lui faire payer un point de com de plus. Donc ça peut être très intéressant à un moment donné, où par exemple, si votre adversaire souhaite utiliser le stratagème contre-offensive parce qu'il a 2 points de commandement, vous utilisez côté As et vous lui dites, bah non, ça va te coûter 3. Ah, t'as pas 3 points de commandement, bah tant pis, tu peux pas faire de contre-offensive. Donc vraiment, l'inquisiteur côté As est très intéressant. Point faible, c'est un psycheur, donc vous ne pourrez pas prendre Arbor the Witch, arborer le sorcier. Donc, c'est à vous de faire vos choix. En général, quand on joue un Inquisiteur, en Blood Angel, on va jouer, voilà, Mephiston, donc un Psycheur en plus. Passons au QG. Donc nous avons le Chief Librarian Mephiston. Nice. Donc il a Quickening, Unleash Rage et Wings of Sanguinus. Donc Wings of
permet de mémoire de faire un mouvement de 12 pouces en phase psychique avec le mot-clé vol. Très intéressant quand on a une brute comme Méphiston. Ensuite, on retrouve le commandeur Dan, donc en seigneur de guerre, avec son trait de seigneur de guerre. Donc son trait de seigneur de guerre, de mémoire, il augmente sa bulle de... Enfin, il augmente ses auras de 3 pouces et il donne plus d'encommandement aux unités autour de lui. Ensuite, on a un prêtre sanguinien, je présume qu'il l'a mis en jump pack, qu'il l'a amélioré en chef apothicaire avec le trait de seigneur de guerre self-lacif. Et on relie qu'il a mis la Thief of Terra, donc il donne plus 3 attaques, plus en force, PA-2, dégâts 2. En troupe, nous retrouvons une unité d'un curseur et deux unités d'intercesseur. En notable trifle, donc c'est l'arme qui est assaut, force, assaut 3, force 4, PA-0, dégâts 1. Très intéressant, dans un intercesseur, ça vous permet de bouger, plus advance et tirer. Ensuite, en élite, on retrouve une unité de 5 Death Company avec 4 marteaux Thunderhammer, un sanguinarien ancien, donc en Uncarmine Sword. On a donc le Rite of War, entrée de seigneur de guerre, qui donne le super OP aux unités bases et personnages à 6 pouces autour de lui. Et il a la relique Blood Angel, Wrath of Baal, qui permet de donner plus 2 au Normal Move et au Fallback des Blood Angel. Ensuite, on retrouve 3 unités de Sanguinary Guard, donc 3, 6, 7, je crois que c'est ça. Donc on a 2 unités de 7 et 1 unité de 6. Alors, le tout, on a 4 Uncarmine Sword et 3 Uncarmine Axe dans chacune. Celle de 6, on est en 3 Sword, 3 H. Ensuite, on a une unité de Divine Guard avec l'Astana Sworn et les Griffes Éclairs. Et on avait donc sûrement des points en rap, 12 points, ouais, 3 x 4, 12. 12 points en rap pour mettre 3 Storm Shield, donc en fonction des dégâts qu'on le voit subir. Est-ce qu'on utilisera plutôt un Marines classique ou le Storm Shield? Là, le Storm Shield, on va essayer de le garder pour l'invue à 4 quand on en a besoin contre des grosses attaques, afin de neutraliser un maximum de blessures et garder un effectif important. Mais des fois, sur des petites sauvegardes à la con à PA 0, si on n'est pas dans un light cover, et ben, le Storm Shield sera toujours bienvenu. Alors, ainsi, l'une des premières choses que l'on cherche souvent et qui est généralement la plus facile à repérer est une liste championne. Quelque chose qui a un plan de jeu décent dans tous les domaines, de sorte qu'elle peut être conservée en toute sécurité comme liste finale dans les périls. Ou lancée comme défenseur précoce où l'adversaire ne va pas avoir de grands pions pour elle. Même avec leur roster complet disponible, la raison pour laquelle ces listes sont faciles à repérer est qu'elles ont tendance à être tirées des meilleures listes de célibataires du metagame actuel. Ici, il s'agit clairement du modèle Bloody Rose. Un bon mélange de menaces de mêlée et à distance, un plancher de score très élevé en raison de la qualité des secondaires, et un jeu heureux sur n'importe quel niveau de terrain. John est bien sûr un maître sororitas, et c'est une liste facile à inclure dans n'importe quelle équipe. Les autres listes les plus mâles de la liste sont probablement les Blood Angel et les Craftworld. Aucune de ces deux listes ne serait choquante à voir dans un top 4 normal, mais toutes les deux semblent avoir subi quelques ajustements pour les rendre encore plus forts dans un format d'équipe. La force de la liste Blood Angel est qu'elle peut absolument enfoncer le visage de l'adversaire. C'est un contre idéal pour les listes qui ne peuvent pas gérer la vitesse, la pression et l'arrivée de l'inquisiteur Eteas y contribue. Dans l'environnement à faible point de commandement de Néphilim, il a une chance réelle d'empêcher un adversaire d'utiliser un stratagème clé en début de partie, ce qui peut être fatal contre une liste comme celle-ci. On a l'impression qu'il s'agit d'une armée qui vise les victoires en zéro pour vraiment faire avancer l'équipe, et qu'Eteas qui perturbe les stratagèmes et offre un bon angle secondaire psychique qui contribue. La liste Craftworld est également une liste que je pourrais voir obtenir des scores élevés, car elle contre toutes sortes de constructions de hordes très efficacement, et n'est certainement pas mauvaise pour couper à travers une armée qui se penche sur la réduction des dommages. L'équipe a là une bien meilleure chance d'éviter les matchs où les adversaires peuvent la submerger. Je ne voudrais certainement pas la lancer seule par exemple. Et cela lui permet d'économiser sur les unités polyvalentes comme les Wave Serpents, au lieu de se concentrer sur les choses qu'elle fait vraiment bien. Les seigneurs phénix multiples le rendent aussi particulièrement dangereux pour les armées dont les dégâts sont concentrés en une seule phase. Pour compléter l'équipe, nous avons deux constructions plus épicées. Le double octane Necron n'est pas une grande surprise à voir dans un format d'équipe, car au début de l'édition, c'était l'un des endroits où les Necrons avaient le plus de succès, bien que les joueurs de Tuzola soient derrière nous. Comme les seigneurs phénix, l'associer à une armée qui ne peut pas lui infliger de dégâts lors de la fatigue peut être extrêmement désagréable. En général, cette liste rend très difficile pour l'adversaire d'épuiser ses forces. Combiner les Doomsice nouvellement bon marché et corps avec le Deceiver et le Silent King est aussi un bon truc. Si vous passez en premier, elle vous donne de la portée pour dépouiller les choses qui menacent le King. Vous passez en second, vous les retirez de la table avec le Deceiver, puis vous les remettez dans l'aura de relance du King pour faire de gros dégâts. Une bonne idée et cela fonctionne très efficacement avec le plan général qui consiste à ne pas permettre à l'adversaire de faire de vrais dégâts tôt. Enfin, le build de Nick. Le plus inhabituel du lot. Même lorsque les Drukhari étaient au sommet du metagame,
Dans les événements d'équipe, on avait tendance à choisir des builds de très forte intensité de transport, parce que c'est la chose la plus unique que la faction apporte à la table. Très mobile, ce qui leur permet de toujours marquer des points de manière décente et de s'adapter à la densité du terrain, et le fait d'être fortement mécanisé fait d'eux un excellent contreur pour les listes centrées sur la mêlée, car s'ils ne peuvent pas utiliser les transports sont très limités dans les dégâts qu'ils peuvent faire en un tour. Ah, c'est une horrible contre-charge Drukhari. La liste de Nick exploite cela au maximum en utilisant 3 Tantalus, remplis de vrac avec des unités de mêlée de liquide et de canons de verre. Et c'est un excellent exemple de l'utilisation d'une force. La durabilité des Tantalus signifie que les tirs d'armes légères ne vont pas être chanceux et en éclater un, et leur taille signifie que les envelopper est presque impossible la plupart du temps. Même les gunlines qui veulent les faire exploser sont sur une horloge assez difficile. Quoi que le feu arrive, ils peuvent avancer de 28 pouces et charger, verrouiller des trucs pour de bon, et même s'ils se font exploser, une gunline statique pourrait avoir du mal à obtenir une grande victoire contre tous ces wracks qui se battent pour les objectifs. Et toutes les listes individuellement, la dernière chose à regarder en toute synergie d'équipe. Et je pense qu'il y en a deux que je soulignerai. Et d'avoir une double liste de Seigneur Phoenix et une double liste de Clan peut rendre assez risqué le fait de mettre en place une armée en une phase en tant que défenseur, ce qui peut aider à faire pencher un match-up en faveur de cette armée. Je pense aussi qu'aucune des armées ne se plie correctement à un concentré d'anti-char, ce qui peut potentiellement bloquer certains pions. Les listes Necron et Drukhari ont quelques bonnes cibles. L'armée Necron peut les mettre hors d'état de nuire avec le trompeur. Et les Khtans ont tendance à punir les lignes de tir. Et les Drukhari ont encore des moyens de jouer pour un score assez bon après une mauvaise série de tirs. Peut-être plus un gain marginal, mais si une équipe adverse a apporté quelque chose dédié à aplatir les chevaliers, ils pourraient être déçus. Une liste très puissante dans l'ensemble et un début assez prometteur en termes de variété. Une liste de simples polyvalents et obliques du spectre et deux armées très construites pour les équipes. Félicitations à l'équipe Art of War.